Bon, ici, j'ai vraiment un mauvais feeling. Ça, c'est un œuf. C'est un œuf de cheval colombien. C'est là que naissent les chevaux ici, en Colombie. Il y en a sur pas mal d'arbres. Contrairement au reste de la planète, les chevaux naissent dans des œufs. Donc, c'est des œufs nivores. C'est un lointain cousin de l'ornithorynque ici. Et comme vous le savez, comme les oiseaux et les ornithorynques ont des cloaques, c'est-à-dire un cloaque, c'est à la fois l'anus et le sexe, donc le vagin de l'animal, les chevaux ont des cloaques. Et ils se frottent contre le cul contre un arbre et pondent l'œuf sur l'arbre. Et du cloaque sort l'œuf de cheval colombien. Il reste collé entre les branches, donc sur l'arbre. Et il reste là pendant 9 mois, comme un être humain. Et de là éclot le cheval colombien. Je crois que c'est pas comme ça dans le reste de la Terre. Il y a des choses intéressantes. En Colombie. On en apprend tous les jours.